Assois-toi, tu vas tomber. On va passer dans un autre. On va passer dans la prière. Amen. Réveille-toi. Ne dors pas. Assois-toi sur ton lit parce que Jésus-Christ est fort. Amen. Tout puissant. Amen. Yeah. Merci Seigneur. On va prier. On va prier tout à l'heure. On chantait en disant que Jésus obéit jusqu'à la mort en passant par le feu. On va bien nous changer. Donc, dans ton voyage, tu vas passer par le feu. Alléluia. Jésus va te donner les vêtements que le feu ne peut pas brûler. Amen. Parce qu'Abel, le grand méchant et Shadrach, quand ils étaient dans le feu de l'adversité, la Bible dit que le feu n'a pas eu d'effet sur leurs vêtements. Amen. Voilà. Jésus va te sanctifier. Donc, on va prier parce que Jésus a obéi jusqu'à la mort du péché en toi. Regardez. On va prier, tu vas prier. Voilà, parce qu'il faut que tu voyages par le feu. La Bible dit que tout homme sera salé de feu. Galates chapitre 5, la Bible dit ceci. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Tout ce que tu aimes dans le monde, là, qui a la place de Jésus en toi, qui préoccupe ta pensée. Amen. Tout ça là, c'est l'idolâtrie. C'est Christ qui devait régner, amen, en toi complètement. La magie, les inimitiés, ça c'est pas ce que je suis en train de lire. Hein. Et tu vas être dans le péché aussi parce que tu voulais gagner ta vie. Amen. Voilà le seul problème. Le péché c'est ta vie. Vous voyez, là l'apôtre Paul est en train de te montrer ces mal, des indices que tu n'es pas au ciel. Amen. Que tu n'es pas dans la vie de Jésus. Parce que la vie de Jésus ne produit pas ça. Jésus est mort pour tuer la vie qui produit ce que je suis en train de lire. Amen. Voilà Dieu. Donc, quand on va prier, tu vas utiliser l'autorité de Jésus. Regarde, la Bible dit les inimitiés, les querelles, donc les jalousies, voilà les animosités, les disputes, les divisions, là, les trucs là, que l'autre s'assoit là-bas, toi tu t'assois de l'autre côté, tu vois l'autre, tu passes de l'autre côté, tout ça, tu n'es pas seulement chrétien. La Bible dit les sectes, l'envie, tu as envie, tu as envie, tu n'es pas dans la foi. Voilà, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, voilà, l'ivrogne, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. On va prier. C'est la porte, c'est l'Esprit de Dieu qui parle aux Galates, à une église. Voilà, il a dit que vous qui commettez de telles choses, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le verset 24, il dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Amen. La chair avec ses et ses désirs. Tu vois, donc quand je vous dis souvent que j'entends un pasteur prêcher et il parle de ses désirs, il ne peut pas être dans la sainteté. Amen. Il ne peut pas, voilà, être dans la sainteté. Voilà, quand tu parles de tes désirs, voilà, ils doivent déjà être morts depuis longtemps. C'est le ABC. Amen. Tu ne peux pas entrer au ciel avec les désirs. Par conséquent, l'Esprit du ciel ne peut pas parler en toi quand toi-même tu as encore les désirs de la chair. Amen. De Timothée 3, le verset 1, au verset 5, 1 à 5, on parle, on va prier pour pas que tu entres dans la victoire de Jésus. Il obéit jusqu'à la mort. Donc jusqu'à la mort de tout ce qui est en toi là. Amen. Jusqu'à la mort. Il a passé l'obéissance. Rien ne peut plus t'arrêter. La puissance du chrétien, c'est dans la mort de Jésus. Amen. La mort, la crucifixion, le renoncement. Voilà. À tout ce que tu possèdes et même à ta propre vie. Voilà. Quelqu'un qui va marcher en vainqueur. Jésus dit que quand le prince du monde est venu vers moi, contre moi, il m'a trouvé les mains libres. Très clair. Il y a un frère que Jésus-Christ qui dit que Jésus l'a amené à l'enfer. De toutes les façons, il est mort, il est en train d'aller, en enfer, le frère-ci. Et quand les démons venaient pour le prendre, pour l'amener dans les chambres de torture, Jésus a apparu. Et puis Jésus a demandé aux démons là que, regardez-moi bien. Amen. Regardez-moi de la tête jusqu'aux pieds. Regardez comment je suis habillé. Regardez-moi de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose de vous en moi? Amen. Faut bien comprendre. Est-ce que tu as quelque chose qui t'a en moi? Tout ce qui est
de toi, il n'y a rien de ce qui est en toi, en moi. Amen. Très clair. Vous voyez? Vous voyez? Aujourd'hui là, est-ce que toi, chrétien, tu peux dire à Satan, regarde bien mon cœur. Amen. Hey! Alléluia! Jésus m'a sanctifié. Il peut te sanctifier, mon frère. Amen. L'homme là que tu es en train d'idolâtrer. Amen. La femme là que tu es en train d'idolâtrer, le travail là, les choses là, qu'est-ce que le diable a en toi? Amen. Dans ton cœur, c'est Jésus qui règne. Amen. Jésus règne, il règne, il règne. Les démons tremblent, les démons tombent. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, il règne, il règne. Les démons tombent. Ma soeur, mon frère, mon frère, qu'est-ce que le diable a en toi? Jésus dit, est-ce que tu peux prier aujourd'hui en te tenant dans la prédication, dans le jeûne? Amen. Quand tu intercèdes pour quelqu'un, vous voyez, le frère, et les démons venaient l'amener dans l'enfer pour le tourmenter. Jésus est venu prendre sa place, le protéger, le récupérer. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, c'est aussi l'image d'une vraie intercession. Toi qui veux prier pour l'âme de tes frères, pour ton âme, pour l'âme de tes amis, de ta famille, pour l'âme des fidèles. Est-ce que tu es capable de dire aux démons, amen, que voilà, je me tiens à la brèche au nom de Jésus, vous n'avez rien contre moi. Amen. Vous n'avez rien contre moi. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de mauvais motif en moi. Amen. Voilà le cœur de Dieu qui peut prier avec autorité absolue, qui est en creux. On va prier, on va prier. Tu comprends la révélation de la mort de Jésus, car il a veillé jusqu'à la mort, en passant par le feu, en la pierre de Richandieu. Alléluia, ma soeur, mon cœur, est-ce que tu as mis dans ton cœur la résolution éternelle d'obéir jusqu'à ce que tu sois complètement effacé? Amen. Jusqu'à la mort. Amen. Complètement effacé de Jésus. Voilà le vrai Jésus. Voilà la vraie victoire. Voilà le chemin sur lequel tu es en train de marcher. Voilà la destination d'un vrai chrétien. Amen. La destination, il obéit pour aller à la croix à Golgotha. Jésus faisait les miracles pour aller à la croix mourir dans la honte, pour crucifier et humilier la chair. La mort de Jésus à la croix, c'est la démonstration de la honte de la vie du monde. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, les gens se vantent de la vie du monde alors que Christ est allé à la croix pour montrer que la vie du monde est une honte. Amen. Très clair. Après, il y a le roi du ciel. Aujourd'hui, vous voyez les chrétiens, ils ont quoi pour devenir dans le monde? Ce n'était pas comme ça que leur maître est. Amen. Jésus n'était pas comme ça. Alléluia. Il était, quand il marchait sur la terre, il ne disait pas que demain je vais devenir grand pasteur. Demain, il va avoir les grands dons. Demain, j'aurai une grande assemblée. Demain, Dieu va me construire un truc sur la terre. Demain, il va en être non. Il disait que demain, je m'en vais à la croix de Golgotha. Amen. Voilà Dieu. Voilà où je pars. Le fils de l'homme s'en va à Jérusalem. Là où on va se moquer de lui. Là où on va le crucifier. Pierre ne pouvait pas prendre la révélation là. Amen. Il a dit cela, ne t'arrivera pas. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Je veux que tu comprennes le langage que Jésus parle pour que tu bénéficies de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Le langage. La mort de la chair, la mort de la vie du sang du péché, la mort de la vie du monde. On va prier, ma soeur, pour que tu... On va prier.
prier, mon frère, parce que Jésus a obéi jusqu'à la mort de ton péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Car Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Car Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le ciel, les anges sont en train de chanter avec nous. Amen. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la rébellion. Il a vaincu l'opposition. Il a vaincu la jalousie. Il a vaincu l'esprit qui te pose à vouloir devenir quelqu'un. Il a vaincu l'esprit qui te dit que tu n'es pas quelqu'un. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dit que tu n'as pas. Amen. Le Saint-Esprit te dit que Jésus est vainqueur et que lui, il est ta louange et qu'il est le vêtement que tu portes pour couvrir ta nudité. Amen. Gloire à Dieu. Il a vaincu la mort. Les vêtements de Jésus guérissent. Alléluia. Gloire à Dieu. Ma soeur, mon frère, tu vas voir la gloire que tu n'as pas encore vue. Si tu entres dans le bateau, si pour voyager jusqu'à la cité céleste. Amen. Dans l'heure de la parole, le bateau-là ne peut pas faire naufrage. C'est Jésus-Christ qui en est le pilote. On va prier que tout ce qui veut te renverser, que tout ce qui veut te noyer. Amen. Le Seigneur va l'enlever. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée 3, on va prier. Comprends bien ton problème. Identifie-le ici. Ça va tomber de toi, de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de ta pensée, de ta conscience, de ton subconscient. Tous les rêves là vont tomber. Ma soeur, mon frère, l'esprit te parle par la bouche de quelqu'un à qui il a donné une expérience. Amen. Un témoignage. Le désir que tu as là, ça va disparaître comme par enchantement. Je parle de celui qui a tout pouvoir, qui a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu, mon frère. Ton pouvoir, pas simplement un pouvoir, deux pouvoirs, ton pouvoir pour régler ton éternité. Amen. Complètement. Tu dois avoir la foi en lui. Tu dois avoir la confiance en son nom. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. C'est lui qui te déclare saint. Alléluia. On va lire dans 2 Timothée 3, verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. C'est l'égoïsme qui t'empêche d'entrer au ciel. Jésus a obéi jusqu'à la mort du démon de l'égoïsme. Amen. Il va tomber, mon frère. Tu veux toujours que ce soit toi, numéro 1. À l'église aujourd'hui, les gens prêchent maintenant que Jésus a dit que je ferai de toi la tête et non la queue. C'est dans son royaume, là, dans le royaume de Dieu, c'est le royaume des premiers, c'est-à-dire les premiers à l'obéissance. Amen. C'est pas les premiers dans la chair, dans le monde, puisque lui-même dit que quand tu es invité, va prendre la dernière place. Amen. Ne vous élevez pas. Il dit que celui qui sera élevé sera abaissé. C'est la chair qui veut prendre la première place. Il n'a jamais pris la première place. Amen. Il est sorti du monde comme étant le dernier de tous les hommes. Amen. Humble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui, existant sous forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec le Père. Mais il s'est dépouillé, humilié lui-même. Et il est devenu, il a paru comme un simple homme. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu l'a élevé. Il y a des gens qui disent que je m'humilie sur la terre, comme ça Dieu va m'élever sur la terre. C'est encore la doctrine de l'arbre, du fruit, de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, le bien, le mal dans le monde du diable et le bien dans le monde du diable, ça ne sera jamais accepté au royaume de Dieu. Amen. Il y a des gens qui croient que Jésus est venu les délivrer de la souffrance du monde pour les amener au bonheur du monde. Ça, c'est la doctrine du fruit, de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est le salut du diable, la malédiction éternelle. Jésus s'est humilié sur la terre, mais est-ce qu'il a été élevé pendant ces jours de la terre? Non, il a été élevé dans la gloire éternelle, montrant par là que le vrai chrétien qui va s'humilier sur la terre ici, le chrétien là sera glorifié avec son maître quand il va venir dans la gloire.
Amen. De son Père avec les saints anges. Il dit que celui qui vaincra s'asseyera avec moi sur mon trône. Et la rétribution est avec moi. Je reviens bientôt travailler en attendant le retour de votre maître. Amen. C'est ça le vrai chrétien. Donc si dans ta tête tu attends encore une récompense sur la terre, ce n'est pas Christ qui te conduit. Amen. Tu es en train d'investir et de jouer au tombola avec Christ. Comme dit souvent une cousine, le donnant. Donc tu donnes, tu attends par derrière. Dans la terre est la malédiction pour le chrétien. Amen. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui le trouve va y vendre tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Voilà, amassez-vous des trésors au ciel, là où la terre et la rouille ne détruisent point. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Le Dieu qui dit qu'il a détruit l'idolâtrie ne peut plus vouloir que tu amasses sur la terre. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Très clair. Donc ne me prêche plus le monde. Je n'ai pas de problème dans la vie sur la terre. Je suis comme Lazare. Je suis heureux pour l'éternité. Amen. J'ai la vie en abondance qui ne peut pas tarir. J'ai l'argent en abondance éternellement dans le royaume des cieux. Ce n'est pas un problème pour moi. Mon problème, c'est que je vais aller au ciel. Amen. Là où il y a mon trésor. Donc, si tu veux être comme mon pasteur, si tu veux être comme mon leader, si tu veux être comme ma chanteresse, si tu veux être comme mon intercesseur, si tu veux être ma prophétesse ou mon prophète, parle-moi de la cité d'en haut, là où je voyage. Amen. Là où je pars, à ma destination. Voilà ce que je veux comprendre. Ne m'amène plus sur la terre parce que je ne suis pas citoyen de la terre. Voilà où vient l'égoïsme. Amen. La demande d'égoïsme qui est dans le sang de la terre. La Bible dit qu'il ne pense qu'aux choses de la terre. Amen. Le dénominateur commun. Je te répète encore, il faut bien comprendre. Voilà, le Seigneur, on va prier. On va le bénir dans la prière. Par la grâce de Dieu, je donne la requête de prière. Et pour que tu comprennes que Christ obéit jusqu'à la mort de la chair. La Bible dit dans Philippiens 3, le verset 18 à 19, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Il parle des enseignants, des pasteurs, des prophètes, des missionnaires qui se revendiquent de Christ. L'apôtre Paul les dénonce. Il dit qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parler, vous voyez, donc il en parlait, il dit j'en parle maintenant encore en pleurant, vous voyez, en pleurant, tu vois, très clair, il parle des pasteurs, là, des ministres de l'évangile, et il dit leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, voilà, tout que moi on parle de l'égoïsme qui va tomber dans la requête de prière, maintenant tu vas comprendre que Christ est mort pour tuer ton problème, le démon, le péché, là. Amen. Qui est en toi, qui veut t'amener, qui veut t'engloutir dans la vague du monde. Amen. Les mauvais amis qui t'entourent avec les grosses voitures, les gros diplômes, les grosses maisons, Jésus va les ridiculiser dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta conscience. La fille là que tu croyais qu'elle est belle à cause du maquillage et qui te refroidissait dans la prière, Jésus va ridiculiser l'esprit là de séduction en toi. Il va le paralyser avec le feu qui sort de ses yeux. Amen. Mon frère, si tu es humble, si tu es vivant aujourd'hui, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Tu vas voir la puissance du ressuscité. Il délivre du péché complètement, entièrement, de long en large, de haut en bas, de gauche à droite. Il te rend libre. La Bible dit que si c'est Noé qui t'a franchi, amen, si c'est Jésus. Mon frère, ma soeur, si ce n'est pas, ne parle pas de quelqu'un d'autre qui t'a franchi. Non, non, ma soeur, si c'est Jésus qui t'a franchi. Amen. Jésus-Christ. Dans le Jean 8, verset 38, 36, la Bible dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Réellement libre. Ma soeur, ouais, mon frère, pourquoi on aime le mensonge comme ça? La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité, c'est que Jésus n'a pas de mauvaises pensées. La vérité, c'est que Jésus n'a pas de mauvais soupçons. Amen. Comme toi. La vérité, c'est que Jésus n'a pas de mauvais rêves. Amen.
La vérité, c'est que Jésus n'est pas là pour courir après le monde pour jalouser. Il est libéré, il est libre, il est la liberté. Amen. Gloire à Dieu. Ma soeur, mon frère, il va t'affranchir. Il va te donner le repos. La vérité, c'est que Jésus n'a pas d'inquiétude dans son cœur pour son avenir. Parce que ton avenir, c'est Christ. Amen. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Comme une bébé moi dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Comme une bébé de moi dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier est dans ses mains. Vous voyez, le monde entier est dans ses mains. Même le nombre de mes cheveux sont comptés. Amen. Très clair. Ma soeur, je parle d'un vrai chrétien qui a franchi. Christ qui est mort pour toi pour annuler tout ce qui peut te déranger dans cette marche chrétienne. Donc, il peut t'affranchir. Tu n'es plus esclave. Amen. Parce que l'esclave ne demeure pas dans la maison de Dieu, la maison de la sainteté, dans la nature de Dieu. Amen. L'esclave ne peut pas demeurer. Donc, Dieu veut te planter. Amen. Dans sa nature, pour que tu demeures, pour que tu poses. Tu es un arbre planté dans la nature de la cité céleste. Amen. Dans la terre que tu respires, l'air que tu respires, l'oxygène que tu reçois, ça vient du ciel. Ce n'est pas de la terre. Amen. Pourquoi vous suivez les gens qui vous prêchent le monde? Amen. Le moi, ça c'est contre l'antichrist. C'est celui qui est anti-crucifixion. Amen. Il est anti-croix. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Qu'il marche en ennemi de la croix. Ceux qui ont l'esprit de l'antichrist. Amen. Qui disait que Christ n'est pas venu en chair pour crucifier la chair. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici c'est clair. La Bible dit dans Philippiens 3, le verset 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Voilà leur gloire dans ce qui fait la honte. Donc ils mettent la gloire, comme je vous l'ai dit, la gloire pour eux, c'est le monde. Voilà. Alors que la Bible dit que ne met pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Amen. Très clair. Tout. Mais toi, tu aimes le monde. Tu pries pour le monde. Les maisons, les voitures, les, tout ça, c'est le monde. Amen. Le feu éternel va consumer toute la terre. Si tu avais la foi, tu n'investirais pas là-dedans. Tu n'investirais pas là-bas dedans. La Bible dit que le Seigneur va t'affranchir. Et t'a libéré de Timothée 3 avant qu'on ne prie. Ma soeur, mon frère, tu vas prier et Jésus va t'exaucer parce que c'est lui qui te parle. Voilà, il tient ta vie dans ses mains. Le péché est crucifié en lui complètement. Il n'y a rien du monde en lui. Amen. Voilà comment tu vas marcher. Quand tu vas marcher en hauteur, les démons qui t'attaquaient avant, les sorciers qui t'attaquaient dans les rêves, avec les maladies, avec toutes sortes de choses, ils vont dire, regardez, voilà un vrai chrétien. Amen. Vous voyez, voilà un vrai chrétien. Il n'y a rien de nous en lui. Amen. Rien. J'étais en train de méditer aujourd'hui, dans la journée, et puis le Seigneur m'a montré comment le diable contrôle toute la vie des gens. Amen. Tu vois, quand tu dis que je vais aller manger au restaurant, tu crois que c'est toi. C'est le diable qui t'a mis le désir d'aller manger au restaurant, dont il te programme. Il te conduit. Tu ne peux pas t'en passer. Le genre de femme que tu dis que tu aimes là, le genre de femme là, c'est lui qui t'a mis le désir là, qui te dicte. Amen. Ce sont eux qui te donnent le désir et qui ont une notion de jouissance dans la désobéissance. Pourquoi est-ce que le diable donne le plaisir dans la désobéissance? C'est parce qu'il veut que tu désobéisses à Dieu. C'est pourquoi il rend le péché sucré. Amen. Très clair. Parce que si rendait le péché amer, tu ne désobéirais pas à Dieu. Et comme il est de son intérêt que tu désobéisses à Dieu pour qu'il prenne le pouvoir sur toi complètement et puisse te torturer à sa guise dans l'éternité, il faut qu'il te flatte sur la terre. Amen. Donc, c'est pourquoi la Bible l'appelle le séducteur. Il te séduit en te donnant le plaisir de la chair. Il faut comprendre que Jésus est mort pour tuer le plaisir. Le plaisir est un grand ennemi. Amen.
Vous ne voyez pas pourquoi souvent les gens font tout pour chercher maman, l'argent. Quand il y a l'argent, il est content. Quand il n'y a pas l'argent, il est triste. C'est Satan qui dicte ton état d'âme. L'argent est lié à la vie de la chair, à la vie de l'âme de quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit qu'on n'a pas été racheté par l'argent. Amen. Mais par le précieux sang de Jésus-Christ, les démons sont attachés au sang de l'homme naturel. Donc, c'est pourquoi maman, l'argent, il y a le démon dedans qui dicte, qui donne le ton à ta vie. Donc, quand tu as l'argent, ils te disent que Akon, maintenant, va te donner la satisfaction dans le monde. Nous, on a la puissance de donner la vie à la chair que Christ a crucifiée. On est anti-Jésus. Amen. Donc, quand le diable te prêche, il te dit que ne déteste pas ta vie. Tu comprends? Il faut bien comprendre. Oh. Parce que toi, tu crois que les pasteurs de Satan, c'est les pasteurs qui ne disent pas, qui ne disent pas que l'adultère est un péché, le mensonge est un péché. Tu crois que comme il dit que le mensonge est un péché, il est de Dieu. Comme il dit que le maquillage est un péché, il est de Dieu. Ma soeur, je ne crois pas que les musulmans se maquillent. Amen. Il faut bien comprendre. Je ne crois pas que les bouddhistes là se maquillent. Je ne crois pas que les musulmans mentent, qu'on les enseigne de mentir. Je ne crois pas. Même pour être président, j'ai déjà dit ici au candidat aux élections, si tu as des choses dans ta vie que la société répréhende, rejette, on ne va pas accepter ta candidature. Alors, vous croyez que la sainteté, la morale que les hommes observent sur la terre, c'est ça la sanctification? La sanctification, c'est une vie nouvelle. Amen. Voilà clair. Qui ne recherche pas soi-même, c'est la vie de Jésus-Christ. Donc, comprends bien l'évangile du Seigneur Tout-Puissant. Tu as appelé, il a crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Voilà. Voilà ton problème. Le plaisir est un péché. Le plaisir là que tu aimes, pourquoi tu vas aller te masturber? C'est parce qu'il y a le plaisir dedans. Pourquoi quand il y a les démons de romantisme? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les démons qui combattent la parole, qui connaissent la parole plus que toi et qui utilisent la nature affective de la parole pour te séduire. Combien sont les filles avec qui tu as couché parce que tu parlais bien français? Combien sont les filles avec qui tu as couché parce que tu te rappelais ou bien tu chantais avec elles les chansons romantiques de Julio Iglesias, Francesc Cabrel, tous les anciens noms là à l'époque, moi je connais, peut-être qu'il y en a de nouveaux maintenant, tous ces trucs là, voilà, et puis vous vous retrouvez, ce sont les démons qui sont derrière, qui ont la capacité de te faire aimer le péché, qui combattent la nature de l'Esprit de Dieu, qui imitent Jésus et qui le résistent. Combien sont les frères qui ne peuvent pas être libérés du péché aujourd'hui à cause de leur affection à la chair? Amen. Affectionnés. Ils sont affectionnés à la chair. Il y a un démon spécial qui imite le Saint-Esprit et qui travaille en toi. Chérie, bébé, machin, tout ça, là, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux plus prier, tu es parti, tu écoutes ton jeûne, tu es parti. Parce que quand elle dit chérie, il y a un démon qui entre dans ta chair, qui te prend, et tu ne veux pas, tu veux discuter, tu vas voir que quand une ancienne copine va aussi te dire chérie, ça sera encore la même sensation. Quand quelqu'un d'autre chérie, tu te rends bien compte que après ça, tu n'es plus l'homme que tu étais avant. Si tu veux discuter, parle-lui l'histoire de Samson. Comment peux-tu me dire que tu aimes alors que ton cœur n'est pas avec moi? Tu vois, donc les chéris que tu entends de Dalila, ce sont les chéris qui vont déconnecter ton cœur de la consécration de l'Éternel. Amen. Donc Samson va trahir sa consécration, son affection. Vous voyez, il y a deux types d'affection. Il y a l'affection de la chair et puis il y a l'affection à l'Esprit de Dieu. Les deux sont opposés. Dans Galates, on a bien vu ça. Ma soeur, si tu veux combattre, hein, si tu veux que Jésus t'aide, si tu veux pas te mentir, voilà. Il faut que tu pousses l'obéissance jusqu'à la mort. La louange, quand on te dit, ah, le pasteur la prêche bien, vraiment, quand il prêche, le diable prend, c'est dit que tu as compris. Quand tu dis que tu veux comprendre, il met déjà, tu t'amuses, il te met le démon de la satisfaction, du plaisir, que les gens disent que tu prêches bien, tu as déconnecté de la grâce, tu es en train de partir dans une autre dimension, l'esprit, la chair, il faut être crucifié. Si tu vis dans le jeûne, dans la mort de Christ, les choses-là ne vont pas te prendre, tu vas voir, quand ils vont venir, tu vas bien les voir, parce que tu es éveillé. Il y a un chant que j'ai regardé aujourd'hui, dans le livre des chants, qui dit que veille au matin, veille le soir, veille à midi, veille toujours.
voilà, j'ai regardé les quatre couplets, j'ai vu que le premier couplet commençait par veille le matin, le deuxième couplet commençait par veille à midi, le troisième couplet ou refrain, comme vous appelez ça, couplet je crois, commençait par veille le soir, le dernier couplet commençait par veille toujours. Vous voyez, très clair, les frères qui ont écrit la louange là, savaient, la Bible dit que veillez, car votre adversaire, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Voilà, donc l'affection de la chair peut facilement dissiper ou bien éteindre ton affection pour Jésus qui est esprit. Amen. Et vie. Donc le combat est rude. Tu dois connaître la puissance de sa mort et tu dois combattre Satan en te tenant sur la mort de Jésus. Donc pour que tu puisses dire à Satan, tu n'as rien à moi. Amen. La musique là que j'aime avant, la musique douce, le rock, il y a des gens qui n'aiment pas la musique rock, mais qui aime la musique douce, tout ça, les démons travaillent des deux côtés. Comme je vous ai parlé, il y a un démon qui va te torturer sur la terre, et il y a un démon qui va te donner la prospérité sur la terre. Il y a un démon qui va t'humilier sur la terre, et il y a un démon qui va te donner la gloire sur la terre. Tout ça, c'est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu es mort dans tes péchés, tu dois avoir une vie complètement crucifiée, abolie dans la chair. Tu n'es plus dans le monde pour pouvoir dire à Satan, tu n'as rien à moi, rien, rien à moi, complètement rien, rien. Il y a des gens qui partent se consoler dans la poésie. Ouais, j'étais comme ça avant, mon frère, on est d'aller chercher la consolation de l'esprit, tu parles les anciens poètes, voilà très clair, tu parles là-bas, tu lis la poésie, ça te console un peu. Non, mon frère, ça ce n'est pas la consolation de l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'affection à l'esprit de Dieu, le livre là n'est pas la Bible, n'est pas la parole de Dieu. Jésus a dit à un frère une parole qui m'a touché. Il lui a dit que la Bible est le seul livre sur la terre. Amen. Très important. Le seul livre. La raison pour laquelle tu parles de la monotonie, c'est parce que tu n'as pas l'esprit et tu n'es pas submergé par l'esprit de laquelle écrit la Bible et tu n'es pas dans la vie qui est le sang qui a écrit la Bible. Jésus dit que ma parole, c'est-à-dire que la vraie Bible que tu devrais arrêter, c'est l'homme nouveau qui l'arrête. Et il dit que l'homme nouveau qui est créé à mon image, en qui Satan n'a rien, en qui Satan ne peut pas influencer avec l'affection de contraire, la personne a la parole qui est vie et esprit. Jésus dit que ma parole est vie et puis esprit. Vie, ça veut dire quoi? Vie, ça veut dire qu'on a vu que la vie de toute chair c'est dans son sang. Donc la parole de Dieu a le sang de Christ. Quand il est venu sur la terre, lui, la parole dans Jean 1, tu peux bien comprendre. Et puis esprit, le Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu a le sang, la vie qu'il te faut avoir pour être agréable à Dieu. Et puis le Saint-Esprit, qui est l'esprit que Jésus va donner. Donc il a donné le sang, il a donné le Saint-Esprit. Voilà celui qui est dans la parole. Celui-là alors ne sera pas dans la monotonie. Il faut bien comprendre. Parce que tu vas faiblir. Il y a beaucoup de gens qui se fatiguent, qui sont lourds. Ils commencent la course. Après tu dis, ouais, la sœur telle, elle n'est pas là. Ouais, le frère telle n'est pas là. Les passions, les désirs, la musique. Pourquoi tu n'avais pas pris toutes les musiques là, les jeter? Les feuilletons à la télévision. Hein? Les feuilletons devant aller voir la télé, ça c'est. Tu ne peux pas être. Quand tu entends quelqu'un parler comme ça, même si elle fait comment, tu sais déjà que celle-ci ne partira pas. Elle ne peut pas prendre le bateau. Celui-ci ne partira pas. Il est seulement en retard. Tu vas voir une soeur, elle appelle une ancienne amie dans le monde. Je parle beaucoup de soeurs parce qu'elles sont beaucoup à l'église. Et puis, elles ne partent pas jusqu'au fond. Et si elles s'amusent, Satan les utilise pour détruire l'église. Donc, elle va prendre le téléphone. Parler du matin au soir, parler après tu veux prier, il n'y a plus de force. Et tu parles, tu as une amie du monde qui sort avec un mondain qui lui donne des choses. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu appelles la fille là, vous causez, après te dire, oh, il m'a acheté vraiment une voiture de 150 000. Hein. Bon, disons, mettons ça en argent africain, peut-être 50 millions, 100 millions. Toi, si ton cœur commence à tourner, tu viens maintenant avec les désirs là et l'affection là pour qu'on commence à prier et le diable commence à l'utiliser pour détourner les plans de Dieu dans ta vie. Le pauvre frère en Christ qui attendait qu'il va t'épouser et que tu es
toi-même tu as rêvé ou tu as eu révélation que c'était ton mari. Maintenant tu ne veux plus le frère en Christ là. Tu veux déjà un autre rêve, comme un désir dans ton cœur. Maintenant c'est le professeur peut-être de l'université que tu veux, qui t'avait donné cadeau, qui t'avait donné. Voilà, maintenant. Et puis quand tu t'inclines comme ça, le Saint-Esprit se retire, le démon te donne maintenant un rêve sur le professeur là que tu veux maintenant épouser. Et toi tu es confuse. Tu dis que mais j'avais eu un rêve d'abord que c'était le frère là. Maintenant j'ai un autre rêve, pasteur, que c'est le professeur à l'université là. Le Seigneur te regarde, le pasteur c'est déjà que tu es dans le péché terrible. Amen. Il t'a emporté, le diable t'a emporté. À cause de quoi? Quand on va regarder, tu n'as jamais coupé les ponts comme Dieu t'avait dit. Qu'est-ce que tu fais avec les mondaines? Dans les tontines des mondaines. Amen. Tu fais quoi là-bas? Pasteur, prophète, qu'est-ce que tu fais encore dans les associations des Congolais, des Camerounais, des Canadiens? Tu n'es pas là-bas. Ton association, c'est les chrétiens. Amen. Traite-les. Je parle de ce qui va t'éteindre. Et demain, tu vas dire, je ne comprends pas. Je suis toujours faible, faible, faible. Tu es faible. Tu es parti à l'anniversaire des mondaines. On a mis un esprit, est venu là-bas en chair. Il a mis une potion quelconque dans ta nourriture. Alors, pour t'attaquer spirituellement, tu pars là-bas, tu dors, tu rentres, tu rêves que tu dormais déjà avec quelqu'un. Mais, pasteur, prie pour moi, je ne comprends pas. Tu étais où hier? J'étais à l'anniversaire. Qui t'a envoyé? Chez le diable, ma soeur, tu n'as pas compris que même les excès de table, c'est un péché. Tu as l'air. On va aller. Le temps me manque déjà. On va partir dans 2 Timothée 3. La Bible parle. On est en train de voir Jésus qui est mort pour tuer la chair. On va prier, ma soeur. Il est mort pour tuer tous les péchés que je suis en train d'énumérer. On a vu que les péchés ici sont représentés par les démons. Le péché ne vit pas de lui-même. Amen. Il y a un démon qui agit et qui actualise le péché. Quand on dit adultère, tu crois que l'adultère c'est un phénomène? Non. L'adultère c'est un démon, un esprit. Amen. Qui vit, qui a un nom que Dieu l'a appelé adultère dans ton temps, dans ta dimension. On parle de l'esprit de l'adultère. Amen. Très clair. Il vient pour te prendre. Il a un désir, il a une puissance du péché. Il a la capacité de te donner le plaisir dans l'adultère. Il va changer ton raisonnement. La nature humaine, la sagesse humaine même dit que la fleur n'est verte que chez le voisin. Ça, c'est la force du diable. Amen. Qui est capable de donner la victoire dans la convoitise. Amen. Dans le plaisir. Voilà son ministère. Il est antichrist. Il est contre Jésus. C'est l'homme du péché. Amen. Très clair. De Timothée 3, la Bible dit au verset 1 à 2, je vais lire à au numéro 2, car les hommes seront égoïstes dans les derniers temps. Voilà, amis de l'argent. Vous voyez, la Bible nous dit que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Amen. Mais tu vas voir, la Bible dit dans le verset, 1 Timothée 6, 7 à 9, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Dis ça au pasteur là qui vient te prêcher que tu as un problème. Il faut lui dire que tu n'as rien emporté et dis-lui que qui t'a dit que j'ai un problème, parce que moi, l'Esprit de Dieu ne m'a pas dit que j'ai un problème. Amen. Le seul problème, c'est avoir perdu ton éternité et j'ai mon salut de mon âme. Alors donc, plus j'ai des problèmes sur la terre, plus mon cœur est tourné vers le ciel. Amen. Très clair. Là, donc, n'enlève pas mes problèmes. Laisse-moi essayer dans mes problèmes comme Lazare. Donc, je vais ardemment désirer que Jésus vienne me chercher pour me consoler. Donc, il y a une consolation qui vient du diable. Amen. Ne prends pas ça. Tu vas prendre ça. Il y a une eau d'une fausse parole qui vient du diable. Amen. Voilà Dieu. Il faut avoir le discernement par le sang de l'alliance. La Bible dit que si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Amen. Très clair. Les gens qui vont venir de côté de la Bible, Jésus veut qu'on soit riche. Voilà, c'est clair. Si tu as la nourriture et le vêtement, cela te suffit. Tu cherches encore quoi? Amen. Tu cherches quoi? Qu'est-ce qui t'a amené dans le feu éternel aujourd'hui? Et la Bible dit au verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir, le démon qui veut que tu t'enrichis, Jésus est mort pour le crucifier en toi. Amen. Amen. Il est mort, on va prier, tu vas t'enrichir. Seulement vouloir t'enrichir, c'est un péché. Il faut comprendre, je te parle du péché qui est une vie. Amen. Juste que tu veux t'enrichir, ça veut dire que tu es influencé par une autre vie. Amen. Qui n'est pas la vie de Jésus. Tu es parti dans le péché. Amen. Très
Mais les péchés, quand le diable est venu tenter Jésus, il n'était pas venu tenter Jésus que va commettre l'adultère. Non, il a dit que si tu es le Fils de Dieu, amen. Ça dit que si tu vas faire quelque chose pour montrer que tu es déjà dans le péché. Amen. Très clair. Tu es perdu. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas la victoire sur le péché parce qu'ils ne comprennent même pas ce que c'est que le péché. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est que le péché tant que tu n'es pas crucifié. Si tu es crucifié, tu vas remarquer que ce qui va donner, là, il y aura deux tendances à vouloir te réveiller quand tu es crucifié. Il y a le Saint-Esprit qui va vouloir te ressusciter et puis il y a les démons qui vont vouloir te ressusciter. Amen. Quand le Saint-Esprit va venir te donner la vie, lui va utiliser ton esprit. Amen. Pour te donner la vie. Quand les démons vont venir, ils vont utiliser ta chair. Amen. Pour te faire vivre, c'est toi qui vas choisir. La Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Vous voyez? Donc, parce qu'il est tombé dans la tentation, premièrement parce qu'il voulait. Vous voyez? Quelque chose. Voilà. Donc, il voulait, il tombe l'attention dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition qui est le feu éternel. On a étudié ça, que le feu éternel est un lieu de perte. Mon temps manque, je n'ai pas le temps. Il y a trop de choses à dire dans la parole de Dieu. Je vais seulement arrêter. Donc, vous voyez, la Bible du verset dit ça, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Amen. Tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Maintenant, je t'aide à comprendre pourquoi la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent donne la vie à la chair, la vie des plaisirs. Amen. Donc, l'amour de la vie du plaisir, c'est la racine de tous les maux. Amen. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi Jésus lui va dire que si tu aimes donc ta vie, amen, tu ne peux pas être mon disciple. Très clair. Donc, la vie que tu aimes, tu vois les plaisirs, les désirs, les joies, les trucs là. Si tu aimes ça, le chrétien, il y a la joie de l'esprit et puis il y a la joie de la chair. Amen. Très clair. C'est différent. Voilà. Donc, quand on chante à l'église, ce n'est pas la joie qu'on a eu des choses du monde parce que même les païens chantent ça. Notre louange, ils ne sont pas capables de chanter. Je dis, on prie, je ne développe. On va prier. La Bible dit l'amour de l'argent. 2 Timothée 3, je prie. Voilà. 2 Timothée 3, les gens auront l'amour de l'argent. Ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles. Voilà le nom des démons. Hein? C'est le nom des démons. On va prier. Jésus les a crucifiés en toi. Voilà. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir. Voilà. Aimant le plaisir. Voilà l'amour de l'argent. C'est l'amour du plaisir. Amen. Le plaisir. Quand tu es crucifié, l'argent n'est plus rien pour toi. Amen. Très clair. Tu vois, c'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas la doctrine de la prospérité, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la doctrine du sang de Jésus. Amen. De la vie qui est dans le sang de Jésus, qui n'est pas une vie qui vit par l'argent. Amen. Ça dit que pas par les démons, mais qui vit par Christ, par l'esprit. La Bible dit aimant le plaisir plus que Dieu. Regardez maintenant. Ayant l'apparence de la piété. Tout le monde est chrétien à l'église. Amen. Ayant la parole de la piété, mais quand ils sont dehors, c'est une autre chose. Le péché a même pris la force que même à l'église, maintenant, ils sont déjà aussi péchés, dans le péché. Ayant la parole de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, on va lire, la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Maintenant, regardez, au verset 6, la Bible dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent des femmes. Ce que je vais dire, que vous compreniez, c'est la nature de ces femmes. Regardez les femmes. La Bible dit qu'elle captive des femmes. Les femmes qui sont comment? Les femmes qui sont d'un esprit faible et borné. Vous voyez? Et les femmes là sont comment? Il faut bien écouter. Hein? Quand tu les vois à distance, hein, tu vas les reconnaître. Elles sont comment? Elles sont chargées de péché. La Bible dit quoi? Regardez. Elles sont comment? Les femmes là. Elles sont agitées par des passions de toute espèce. On va prier, ma soeur. Et elles apprennent toujours et elles ne parlent viennent jamais à la connaissance de la vérité. Voilà, très clair. C'est l'heure de prier, ma soeur, mon frère, tu vas prier, ouvre ton micro, ne dors pas, c'est une minute, deux minutes de prier, je suis mort pour crucifier le péché en toi, tout ce qui voulait t'empêcher d'aller au ciel par la Dieu, Père Tout-Puissant, mystère de Dieu, je suis mort pour crucifier le péché.
Sans compromission, merci Seigneur, alléluia, merci, avancement complet, radical, repentance, la repentance, engagement total, complet, amen, un engagement sincère, éternel, une rupture éternelle avec le monde, avec Satan, avec la chair, donc tu peux te tenir aujourd'hui, dans parmi les millions de personnes, tu dis que regardez-moi bien, sorcier, franc-maçon, réseau chrétien, n'importe quoi là-bas, que vous soyez avec moi dans la société ou que vous soyez dans le monde, parce que vous n'avez rien en moi, votre maître n'a rien en moi, amen, complètement. Voilà la victoire, voilà la force de Christ, là, voilà ce que les anges de Dieu regardent, voilà ce que les démons regardent aussi, donc tout ce qui est fait dans le secret est déjà manifesté, amen, très clair. À nous les chrétiens maintenant de vivre dans la lumière, parce que Jésus est la lumière du monde. Amen. Merci Seigneur.